Bien bonjour, ou bien le bonsoir, c'est selon. Petite vidéo de tuto de Glide. C'est un service que j'ai découvert il y a deux petites semaines. C'est une startup qui est incubée à Y Combinator, pour l'instant à San Francisco, et je la trouve juste géniale pour prototyper, pour faire des MVP, voire même un petit peu plus. L'idée de Glide, c'est de réussir à vous construire une web app progressive au départ d'un Google Sheet. Tout se gère exclusivement dans Google Sheets, ce qui est absolument génial en termes de CMS, euh, puisque il suffit de pouvoir construire correctement une sheet euh, avec toutes les formules mathématiques euh, qui existent pour pouvoir créer des relations en fait entre les tables pour générer derrière ça un rendu visuel qui est euh, juste. Top pour euh, pour pouvoir avoir votre votre petite application euh, qui fonctionne aussi bien euh, sur euh, iOS que sur Android. Tout ça généré au départ d'une Google Sheet. Euh, le site donc c'est glideapps.com. Euh, je vais vous montrer quelques petits exemples que je trouve vraiment vraiment bien foutus et puis ceux que moi j'ai mis en place euh, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous voyez vous avez différents types euh, de euh, bah, de sheets qui sont disponibles pour pouvoir faire euh, pour pouvoir faire votre app. Alors, ça se présente comment Quand vous décidez de créer une app, euh, il vous demande de vous loguer avec votre compte Gmail, avec un compte Gmail, et directement après de pouvoir. Alors, vous avez toute une série de templates qui sont déjà euh, disponibles, euh, par exemple, faire un répertoire pour des employés. Et vous voyez que directement, c'est du Visivig absolument génial. Vous pouvez avoir au départ d'une sheet, et on peut aller voir la sheet qui est disponible ici derrière, et je vais vous montrer juste après comment ça se passe. Pour avoir euh, par exemple un répertoire d'employés avec toutes les infos qui sont nécessaires, avec euh, euh, voilà, des, euh, toute une série de, de, de. toute une navigation en fait qui est super simple et qui se gère par ici, ici sur la droite. Vous pouvez jouer avec vos blocs. Et les monter, les descendre, les supprimer, les modifier. Euh, alors je vous montrerai après les, les listes et les références, comment ça fonctionne. C'est tout simplement sur base des colonnes et des euh, et des euh, rows dans votre fichier Excel, ça génère automatiquement ce genre de choses. Alors, il faut, faut chipoter un petit peu, ça, moi c'est ça qui m'excitait, c'est qu'il y avait vraiment moyen de créer toute une arborescence. Qui peut être très complexe euh, grâce aux formules euh, de multiples, de unique et ce genre de choses dans, dans Excel. Je dois bien vous avouer que je ne suis pas du tout un grand fan d'Excel, je ne suis pas du tout un, un spécialiste d'Excel, que du contraire. Euh, par contre, en, en une petite journée où j'ai été me balader euh, sur les tutos qui sont vraiment bien faits, euh, vous avez tous un, tout un, tout des tutos qui sont faits ici par euh, la boîte où vous pouvez vraiment avoir euh, pas à pas comment organiser votre Google Sheet pour euh, faire en sorte que ça fonctionne bien. Vous avez tous les, euh, toutes les fonctions qui sont possibles ici. Il vous les explique, tous les components, toutes les features qui fonctionnent, l'audio, la vidéo, etc. Tout ça fonctionne directement euh, dans l'application. Ils ont une version euh, gratuite vachement bien euh, moi c'est celle que j'utilise jusqu'à présent avec la version payante vous pouvez euh, enlever le branding euh, de Glide et avoir votre propre nom de domaine euh, vous pouvez aussi soumettre dans l'Apple Store et dans le Google Play directement euh, votre votre app euh, avec un avec un budget qui est de 99 dollars par mois euh, ça pour l'instant euh, je ne vous en parle pas parce que la version gratuite fonctionne déjà vachement bien. Alors je vous montre un exemple ici par exemple avec une app que j'ai construite euh, bah, pour moi. Euh, L'idée c'est que quand vous arrivez sur l'écran de navigation euh, vous pouvez construire ça c'est chaque fois une sheet d'accord Ici sur la droite vous avez toutes vos sheets, vous pouvez certaines en rendre visibles ou pas, dès que vous rendez visible une sheet, eh ben, elle vient de se mettre ici dans la navigation et derrière le capot ça ressemble à quoi ben, ça ressemble tout simplement à ceci ça c'est la home qui définit en fait tout ce qui apparaît sur la home et puis progressivement ben, vous rentrez dans les euh, dans les différentes sheets où vous pouvez faire euh, du rubricage vous pouvez avoir des formules mathématiques qui vous permettent en fait de récupérer de faire de, de la catégorisation de faire des, des, euh, des bases de données croisées en fait directement dans Google Sheets pour vous permettre de pouvoir afficher tout ce que vous avez envie d'afficher dans votre application donc toute cette sheet-ci Génère au, final, oops, génère au final ceci. Euh, progressive Web App, donc ça veut dire que vous pouvez, euh, euh, en la flashant, vous pouvez directement la récupérer sur votre téléphone, ça va, ça va l'ouvrir en HTML dans un navigateur, et par exemple, en la sauvegardant, en l'ajoutant sur l'écran d'accueil, ça génère automatiquement euh, une application sur votre téléphone, que ce soit sur iOS ou que ce soit sur Android. Chaque écran a la possibilité de pouvoir être euh, modifié. Vous voyez ici, ça me permet de jouer et de les monter et de les descendre aussi simplement que ça. Avec chaque fois la possibilité de pouvoir modifier l'apparence que ça va avoir. Euh, là, je l'ai mis en tiles, mais je pourrais le mettre en liste et ça générerait ceci. Si je le remets en tiles, ça donne ceci. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment d'une simplicité assez déconcertante. Tout se fait en vis donc vous avez automatiquement le rendu direct de, votre, de vos modifications que vous effectuez ici, qui, qui apparaissent à l'écran, et vous pouvez comme ça rajouter des éléments. Vous pouvez rajouter de l'audio, vous pouvez rajouter des boutons, vous pouvez rajouter ceci par exemple, c'est un bouton, des images, des listes. Alors il y a une série d'options qui s'activent uniquement ici, par exemple, inline list et liste référence, ça ne, ne s'affiche que quand vous avez mis les bonnes petites formules mathématiques dans vos, dans vos fichiers. Euh, par exemple, si je vous montre ceci, ben voilà, ici, c'est rubrique égale presse de points rubrique et multiple. En fait, tout simplement, là, je dis à l'application qu'elle peut aller chercher dans l'onglet presse, qui est là, la catégorie rubrique, et qu'il y en aura plusieurs. Et donc, ça me permet de choisir lesquels vont pouvoir s'afficher à quel endroit. Ça demande un peu de la gymnastique. C'est vraiment des maths, en fait. Enfin, des maths dans le, le bon sens du terme, parce que c'est de la logique. Euh, c'est de l'essai et erreur. Mais très vite, on se rend compte qu'il y a moyen de, de, de fonctionner comme ça. Et moi, ça, m, ça me permet, par exemple, de pouvoir euh, insérer de la vidéo, montrer euh, euh, voilà, tout ce que j'ai envie de pouvoir montrer avec des boutons, des contacts, etc. etc. qui permettent euh, soit de sortir de l'app, soit de faire des liens euh, directement au sein même de l'app. Ça permet de regrouper aussi, bah, par exemple, tous des articles et de pouvoir les consulter directement ici en tout ou partie en mettant des liens vers les articles euh, en particulier. Ça permet aussi, par exemple, euh, de faire du podcast. Si vous prenez ceci, ben voilà, ça c'est un épisode de podcast avec le lien et on peut directement écouter le podcast euh, puisque j'ai mis le lien directement vers le MP3 dans la bonne colonne de la, et dans la bonne euh, row euh, sur le fichier Excel. Vous avez vraiment la main sur, euh, sur tout, sur une, vraiment une très très grande partie de, euh, de l'application. Vous avez la possibilité de, de pouvoir jouer avec de l'audio, avec de la vidéo. Vous pouvez même mettre du Markdown, donc c'est n'est pas du HTML. Vous pouvez pas iframer, euh, par exemple, un, un, un widget euh, Facebook. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Mais par contre, vous allez pouvoir tout à fait euh, renseigner tous vos comptes, les endroits où on peut vous atteindre, comment pouvoir vous appeler. Ça lance directement un appel en FaceTime si vous êtes sur FaceTime. Ça permet aussi de pouvoir rajouter avec des formes de gens-ci, des colonnes. Euh, voilà, il y a vraiment plein plein d'applications qui sont possibles. En tout cas, en termes d'MVP, c'est vraiment vraiment bien foutu euh, parce que ça permet d'aller très très vite, euh, tester des choses, de pouvoir expérimenter euh, et de pouvoir synthétiser. C'est un peu une vitrine, hein, puisque euh, c'est un peu ça l'idée. C'est une vitrine de tous les contenus que vous allez pouvoir proposer ailleurs à l'extérieur et vous les regroupez parce que c'est là où sont les gens, hein, tout simplement. C'est sur les plateformes que le, le trafic se fait. Mais par contre, là, vous avez une vitrine, un endroit où vous pouvez euh, ramener les gens. Vous pouvez avoir aussi un module de chat où vous pouvez euh, euh, discuter avec toute la communauté des gens qui ont laissé leur adresse mail en rentrant. Vous pouvez euh, tout à fait avoir une, une app qui est. Euh, vous voyez ici le signing pour l'instant il est public, mais je pourrais demander d'avoir un mail. Pour commenter de toute manière, pour chatter, il faut laisser son mail. Ou vous pouvez la mettre sous password complètement euh, ou bien whitelister une, une adresse mail. Le, le custom il est, euh, il est minimaliste mais il fait vraiment bien le job. Euh, vous avez votre propre URL que vous pouvez partager puisqu'il suffit, euh, une fois que vous avez terminé euh, votre application, une fois qu'elle est, qu est comme vous avez envie de le faire, vous faites Open App et alors directement il va vous le mettre avec la bonne URL ici au-dessus que vous pouvez, si vous payez 19 euros par mois, vous pouvez avoir votre propre nom de domaine directement avec euh, les redirections de DNS. Et euh, comme c'est une web app progressive, ben, toute la navigation se fait exactement comme si vous étiez... Euh, sur, le, euh, sur votre téléphone, sauf que vous êtes là dans un browser, mais l'expérience utilisateur est exactement la même. C'est ça qui est passionnant, c'est que ça se fait complètement seamless et vous pouvez comme ça avoir accès à tout ce que vous avez envie directement. Euh, vous pouvez directement l'avoir comme ça. Et euh, quand vous êtes sur mobile, ben, euh, il suffit de faire ça, vous le flashez et puis vous le, vous le récupérez sur votre téléphone. Et ça vous fait une app progressive iOS, Android, qui tourne uniquement google sheet voilà c'est un petit bijou euh, les gars sont hawaï Combinator pour l'instant ils ont une, une communauté euh, qui est super active ils sont pas nombreux mais ils sont vraiment actifs pour l'instant euh, de devs de, de gens qui, qui bêta testent avec eux qui rapportent des bugs les feature requests tombent mais à la volée je, moi ça fait ça fait ouais, une petite semaine que je suis dedans euh, j'ai appris plein de trucs leurs tutos sont, sont vraiment bien foutus ça vaut le coup d'aller euh, d'aller les regarder parce que euh, au début, ça demande un peu des maths, comme je disais, euh, mais c'est euh, juste passionnant. Ils le font, euh, euh, voilà, ils en rajoutent tous les jours, je pense, euh, voilà, configurer les tables, etc. etc. Euh, voilà, si vous avez envie... Moi, je trouve que euh, vraiment l'enjeu derrière tout ça, c'est de se réapproprier ces contenus, en fait. Et c'est pour ça que moi, ça m'a excité. C'est parce que je suis convaincu que les conversations, elles ont lieu... Partout où elles doivent avoir lieu. Quand on est un producteur de contenu, il faut aller là où les gens se trouvent, c'est-à-dire sur les plateformes, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, euh, sur Twitch, whatever. Mais quand on donne ces contenus-là, ça vaut le coup de pouvoir se les réapproprier, en tout cas une copie, et de pouvoir euh, les afficher proprement, joliment, dans un site vitrine euh, qui permet de, euh, voilà, tout simplement d'avoir un camp de base hein, en ligne euh, efficace et qui est surtout mobile first. Ça, c'est sans doute le, le plus important. Mais où l'expérience utilisateur sur euh, desktop est tout, à fait, euh, est tout à fait sympa aussi, puisque euh, quand vous avez accès à ce genre de choses, bah, voilà, vous pouvez directement surfer, naviguer directement dans l'application, dans comme si vous étiez sur votre mobile, sauf que vous êtes sur un desktop. C'est rapide, c'est efficace en termes de loading, euh, c'est rien, parce que tout se fait, euh, euh, tout se fait euh, directement en, en SaaS. Euh, et puis c'est un Google Sheet derrière, c'est pas toute une usine à gaz. Euh, voilà. Donc, Glide, euh, payant euh, 10, pour 19 dollars par mois si vous voulez avoir votre propre nom de domaine et enlever le branding de Glide, ça, je pense que ça les vaut, mais dans la formule gratuite, il y a déjà moyen de beaucoup, beaucoup, beaucoup s'amuser. Euh, je vous encourage à aller voir euh, les autres exemples qui ont été, qui ont été euh, construits. Il y en a toute une série hein, qui sont, euh, sont dispo. Euh, ça c'est voilà pour le pour l'employé voilà à quoi ça ressemble euh, et si vous allez regarder dans la bibliothèque euh, ici bah, vous avez par exemple un, un city guide euh, vous avez aussi hop, donc city guide euh, petit business objectif perso puisqu'évidemment ça fonctionne avec des datas que vous allez pouvoir compiler à l'envie dans Google Sheet euh, amusez-vous application de podcast génial hop il suffit de faire comme ceci vous avez tout le tuto qui est là pour vous montrer comment il faut faire. Et puis vous pouvez récupérer le template. Et vous êtes parti. Vous pouvez faire votre propre application de podcast directement utilisable. Voilà. C'est vraiment tout con à faire. C'est gratuit. Et ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Voilà, euh, donc euh, si vous voulez euh, tester celle du lab, j'en serais ravi. Euh, L'URL c'est davanag.glideapp.io. Vous pouvez flasher le petit code qui est là, vous allez pouvoir le récupérer aussi. Et puis une autre que j'ai construite aussi ce week-end, c'est celle de Pilote euh, Ça, c'est le sheet de Pilote Média qui est même euh, public. On, on euh, on gère tout le programme à travers euh, cette application et en fait euh, bah, l'avantage derrière c'est que l'application elle est disponible aussi bien euh, pour euh, tous les gens qui, qui s'intéressent au programme, qui ont envie d'en découvrir un peu plus euh, par rapport aux sessions suivantes, par rapport à nos partenaires, par rapport aux sponsors, par rapport à l'organisation mais aussi pour tous, nos, pour tous nos pilotes, vous allez pouvoir découvrir tous les pilotes vous allez pouvoir découvrir euh, ce qu'ils font, où ils sont, comment les retrouver comment les suivre euh, vous allez pouvoir candidater aussi quand les candidatures euh, pour le pour l'automne le, prochain euh, seront ouvertes. Pour l'instant ici, bah, c'est fermé forcément. Euh, hop et puis euh, et puis voilà, ça c'est c'est euh, vraiment une façon intéressante de pouvoir fonctionner. Euh, vous voyez que dans les onglets qui sont ici, on a aussi euh, on vous donne la possibilité de consulter tous les outils, les méthodes qu'on utilise avec les pilotes. Tout ça est public. Hein. Une sélection d'articles qui ont été repérés par les pilotes et qu'on partage entre nous dans un Slack qui est privé, pour le coup. Et puis, les articles de presse qui, euh, qui parlent de pilotes. Et euh, on a poussé la démarche d'ouverture jusqu'au bout en se disant que, bah, voilà, ça, c'est le, le programme, c'est le planning euh, que les pilotes reçoivent. C'est à travers cette application-là qu'ils travaillent euh, et qui prennent notamment rendez-vous euh, bah, avec les coachs, euh, l'inscription se faisant directement dans la Google Sheet, évidemment. Voilà. C'est là toute la beauté du truc, c'est que je n'ai qu'une seul, euh, qu seule sheet pour gérer toute l'app ainsi que euh, les prises de rendez-vous de coaching individuel pour tous les, euh, pour tous les participants. Euh, voilà, avec la description de, tous les, euh, de, tous les, de toutes les sessions de masterclass, toutes les sessions de coaching, etc. etc. jusqu'à la fin du programme à, à la mi-juin. Voilà. Programme qui sera évidemment mis à jour. Pour la suite avec l'ouverture des prochaines candidatures voilà ça euh, hop si vous voulez le prendre elle est là euh, n'hésitez pas à la, à la flasher euh, l'url c'est pilotemedia.glideapp.io et mettez à vie que ça va vite devenir pilote.media tout court et remplacer tout simplement le site euh, qu'on avait construit puisque là tout y est et vous pouvez euh, voilà vous pouvez évidemment retrouver toutes les infos utiles et nécessaires pour pouvoir travailler. Voilà, merci à vous. Euh, N'hésitez pas à faire retour de vos expériences, si vous testez des choses là-dessus, si vous voulez que je vous file euh, euh, des exemples de sheets euh, que moi j'ai utilisé pour construire euh, mon app ici, faites-le. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à travers le chat. Et euh, puis voilà, si vous voulez découvrir Hop, Glide, je vous redonne le lien glideapps.com. Et c'est vraiment en 5 minutes, et c'est vraiment gratuit. Voilà. Okay. Ciao